Je vais démarrer dans 2 minutes. Passe, passe, passe. Hop, bon, voilà, c'est parti. Je coupe mon... je viens de mettre YouTube. Donc, bonsoir ceux qui sont sur YouTube. Donc, ceux qui préfèrent aller sur YouTube, n'hésitez pas si c'est plus simple à poursuivre. Je mets toujours les deux en parallèle. Voilà, bon, je vais démarrer. Comme ça, on ne perd pas de temps. On a 30 minutes de renforcement musculaire ce soir. Donc, juste un tapis et ce sera parfait. Voilà, je coupe les commentaires. Passe, ma chérie. Allez, c'est parti. On va juste s'échauffer un petit peu. Là, tranquillement, on va faire cheville-poignée parce qu'on va faire pas mal de gainage et du coup, on va solliciter quand même les poignets, un peu les chevilles également. On continue les mains, on passe sur l'autre jambe. Voilà, on va juste réactiver doucement le corps. On colle les pieds, on garde le dos bien droit. On va juste fléchir là, les jambes vers l'avant. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Là, on va ouvrir, aller bien sur la tranche des pieds là. On garde le dos bien droit. On fléchit bien les jambes pour écarter. 2, 3, 4, 5 dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok, on relâche là le bassin tranquillement. On va partir sur pas mal de gainage, de travail de fessiers, de dos, les jambes ou en gros corps complet. On passe dans l'autre sens là sur le travail de bassin. Donc là vraiment, faites en fonction de votre état de forme, de votre niveau aussi. Gardez les jambes tendues là. On va glisser lentement la jambe le long de la cuisse sans fléchir le buste vers l'avant. Donc moi, je vais partir à chaque fois sur des répétitions de 10 mouvements. Donc à vous d'ajuster. Et puis parfois, je vous proposerai des options un peu plus faciles. Voilà, en gros, mais je vous redirai ça au fur et à mesure. On relâche, on écarte un tout petit peu plus. On va faire des rotations complètes. Vous pouvez laisser tomber les bras vers l'avant, là, 3, 4, 5, dans l'autre sens, 1, 2, on continue à déverrouiller un peu, 3, 4, 5, et là, bras tendus, on va, là, en complet, rotation complète, on vient balayer le sol, on se redresse, toujours jambes tendues, 3, 4, et 5, dans l'autre sens, 1, 2, 3, 4 et 5. Ok, on relâche. Là, les épaules vers l'arrière. 1, 2, 3, 4, 5 vers l'avant. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok, on relâche. Là, on va juste sur place monter les genoux. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pareil, talons fesses sans sauter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Là, ouverture et fermeture de hanche. On alterne jambe gauche, jambe droite. Là, 2, 3, 4, 5, une dernière, 6, ok, on relâche là tranquillement, on va juste faire ici des petits squats, on va bien écarter les jambes, largeur épaule, garder le dos droit, on va tirer les fesses vers l'arrière, les genoux vers l'extérieur, on ne fléchit pas les jambes vers l'intérieur, et là juste tout doucement, 1, 2, 3, gardez le dos bien droit, 4, 5, on tire les fesses en arrière comme si on allait s'asseoir sur une chaise. 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, on relâche. On a juste fait la 4 minutes
des petits réveils musculaires, mobilité. Et on va attaquer tout de suite. On va se mettre en bout de tapis. On va avoir notre exercice de base qui va être la chenille là. Donc, on essaye de garder les jambes tendues pour descendre. On vient marcher sur le tapis. Et là, pour le premier, on va venir ici juste en position de planche. Les doigts bien écartés, les mains bien en dessous des épaules. Là, on ne bouge pas, décale-toi. Là, et on se redresse. Ok, on y retourne. Là, pareil, on vient se placer. Si c'est trop dur, vous pouvez poser les genoux. Là, à partir du moment où ils sont loin du bassin, c'est-à-dire que si vous les posez ici, ça ne sert à rien. On vient vraiment là, en arrière, pour que ça travaille. Là, on va fixer un petit peu. On serre les fesses, on est bien tonique, bien aligné, on n'a pas les fesses en l'air. Là, toujours bien solide. On regarde son tapis pour être bien aligné. Ok. On relâche. Là, pour le prochain, je vais vous demander de descendre. Et quand on va se redresser, on va faire un petit mouvement là, en jumping jack. Là, on revient ici. Toujours fixe. Là. On serre bien les abdos, on serre les fesses. Là, on essaye d'éloigner les épaules du sol. Regardez là, la face vers le tapis, pardon. Bien solide au niveau des mains, les doigts écartés. Et là, on se redresse. Une fois qu'on est là, on va partir, je me mets face à vous. Là, ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On y retourne, on descend. On fixe, on reste là quelques secondes, toujours bien tonique, hein. Pensez à serrer les abdos. Là, on a vraiment une contraction volontaire qui vient s'ajouter au mouvement. Là, bien allongé, bien en ligne. Ok, on se redresse, on refait 10 jumping jacks. Ici, là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 10, on y retourne. Pareil, toujours travail de planche. Là. Allez, encore, toujours bien solide. Hein, comme j'ai dit, si vraiment c'est trop dur, on vient poser les genoux loin du bassin. Allez, encore, on résiste. On se relève. Et cette fois, on va venir ici, descendre en squat. Les fesses bien en arrière, le dos bien droit. On est presque sur les talons. 2, 3, faites comme si vous allez vous asseoir sur une chaise. 4, 5, les genoux vers l'extérieur. Donc, on ouvre les jambes, on n'a pas les genoux qui rentrent. 6, encore, regardez droit devant. 7, on expire en descendant. 8, 9 et 10, on se redresse et on y retourne. Là, au sol. On reste là, toujours solide. Encore un petit peu. Et on va refaire une deuxième fois la série de squats. Là, on se redresse, toujours sur les mains. On essaie de garder les jambes tendues. Et on redescend là. 1, 2, toujours le dos droit. Regardez droit devant. 3, 4, on expire en descendant. 5, 6, 7. 8, on est presque sur les talons. 9 et 10, on redescend. Là, pareil, toujours planche. Et là, cette fois, on va venir toucher ses épaules. Là, pour 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On se redresse, jambes tendues. Là, on y retourne. Là, cette fois, écartez, serrez si vous pouvez. Soit on le fait en sautant, soit on le décompose là en marchant. Allez, pour 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On se redresse tranquillement. Là, on récupère, on lève la tête et on y retourne. On revient là, en planche. Et là, on vient toucher devant pour 10. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9 et 10. On se redresse. On va rester là. En haut et cette fois, on redescend. Squat, coup de genou et on alterne. Allez, 1, 2. Toujours, on tire les fesses en arrière. Les genoux vers l'extérieur. 4, 5, 6. Expirez bien en descendant. 7, 8, 9 et 10. On y retourne. Là, on descend. On reste ici. Là, on résiste. Ok, encore un petit peu. Et on va s'allonger tranquillement. On descend sur les mains. Là, on va travailler un peu toute la chaîne postérieure. On tend les bras. On tend les jambes. Et là, on va décaler. On soulève. Mains, jambes opposées. Là, on regarde le visage vers le tapis. C'est parti pour 10. 1, 2, 3. On va bien haut. On serre les fesses. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Les quatre membres en même temps. 1, 2. On fixe un peu en haut. 3. Et on ne se laisse pas tomber. On retient la descente. 4, 5, 6, 7, on expire bien quand on monte, 8, 9, 10, on reste en haut, on fixe, là on se grandit, on tend les jambes, on tend les bras, et des petits mouvements, là, 1, 2, 3, allez encore, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On relâche. On va venir écarter légèrement les jambes. On colle les plantes de pied entre elles. On va décoller les genoux, les mains devant. On claque devant et on claque en bas du dos, le visage en direction du tapis. C'est parti pour 10. Moins si vous ne pouvez pas. Allez, 1, 2, on décolle bien les genoux. 3, 4, 5. 6, 7, 8, décollez les genoux toujours, 9 et 10, on relâche, on vient s'allonger, on pousse sur les bras, on revient en position de planche, on va fixer, on va rester un peu ici, là on va reprendre ce travail d'aller-retour, allez on s'accroche et on se redresse, là, toujours jambes tendues, vous redressez le visage et on redescend tout de suite. Là, on vient ici en mountain climber. Donc, soit vous le faites là, en continu, sinon vous le faites là en montant, sans saut. Je monte, je descends. Pour 10, moins si c'est trop pour vous. Attention, c'est parti. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Toujours solide sur les bras. 7, 8, 9 et 10. On reste ici. On va fixer avant de se relever. Allez, encore 5, 4, 3, 2, 1. On marche là sur les mains. Garde les jambes tendues. On respire un bon coup en haut. Et on y retourne. Et cette fois, on va venir se poser là sur les coudes. Toujours bien aligné. Pareil, c'est trop dur. Je pose les genoux. Là, sans lever les fesses. Et là, on va pousser vers l'avant et reculer. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On repasse en planche sur les mains. Là, on serre bien et on se redresse tranquillement. Ok, on y retourne une dernière fois et cette fois, on y va et on se remet debout pour un travail de jambes. On reste là, on va rester ici 10 secondes. Toujours les doigts bien écartés. Pareil, si c'est trop dur, je pose les genoux. Sinon, je m'accroche. Allez, encore 3, 2, 1. On se redresse. Là, on va venir en fente. Alors, vous allez faire juste un tout petit pas, les mains au niveau des hanches. On va venir fléchir angle droit au niveau de la jambe arrière. Angle droit, jambe avant. On regarde, il faut qu'on voit la pointe des pieds
juste au-dessus du genou, on va se redresser, tirer les épaules vers l'arrière, on reste fixe, on a le genou au sol qui est là à 5 cm et là, 1, 2, redressez-vous bien, 3, 4, 5, 6, on résiste, 7, 8, 9 et 10, on relâche et on change de côté tout de suite. Pareil, un tout petit pas, on vient fléchir. Vous pouvez même, si vous voulez, avant de vous ajuster, poser le genou au sol. Là, on est en angle droit. On décolle, angle droit derrière, angle droit devant. Et on voit là, le bout des pointes de pied. Toujours bien redressé, tirer les omoplates vers l'arrière. Et là, pour 10. 1, 2, regardez droit devant. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et 10, on relâche. On va redescendre là tranquillement sur les mains. On fixe. On reste ici. Là. On tient un petit peu. Allez, encore un petit peu. 5 secondes comme ça. Ok, on se redresse. Là, tranquillement. On y retourne et on vient poser. Là, les coudes au sol. Ah, on vient se poser ici. Une fois qu'on est bien installé, vous pouvez écarter légèrement les jambes pour être un peu plus stable. Et là, on va venir ouvrir la cage thoracique en levant le coude d'un côté puis de l'autre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, allez encore, 10, on reste ici, on fixe, allez, on fixe 10 secondes, on s'accroche, serrez bien les abdos, on serre les abdos, on serre les fesses, on pousse sur les bras là pour essayer d'éloigner les épaules du sol, on passe sur les mains, là tranquillement, et on se redresse, respirez un peu, et on va y retourner. On va se remettre sur les coudes. Allez, on descend. On repasse sur les coudes. Et là, on va venir basculer le bassin d'un côté puis de l'autre. Allez, 1, 2, 3, 4. Exagérez bien le mouvement. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On relâche. On passe sur les mains tranquillement. Et on se redresse. Là, on va redescendre et cette fois, on va faire toute une partie fessier. Ok, on redescend tranquillement. Et avant de se positionner pour travailler les fessiers, on va quand même revenir sur une dernière planche. Et après, on va poser les genoux au sol. Allez, encore 3, 2, 1. Ok, on pose. Là, bien aligné. On va commencer par un premier exercice, coup de genou et on aligne bien. On a le pied fléchi, on n'est pas en pointe de pied, là vraiment fléchi, bras tendus, collé à l'oreille et là, coup de genou étendu. 1, 2, 3, on serre bien, on contracte tout. 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 10, on pose, on inverse tout de suite. 1, 2, 3, contractez bien la jambe, le bras. 4, 5, 6, on se grandit. 7, 8, 9 et 10, on pose. Là, on passe sur l'autre jambe, on va la tendre, là, bien alignée. La pointe de pied vers le sol. Et là, des tout petits mouvements. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On alterne tout de suite sans perdre de temps. 1, 2, allez, on arrive à 20 minutes. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On pose tout de suite l'autre là.
en angle droit et on vient pousser vers le ciel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, toujours le dos bien droit. 7, 8, 9 et 10. On change tout de suite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. L'autre jambe. Là, on va faire coude. Genou poitrine étendue. Là. 1. On reste bien allongé au niveau de la jambe, toujours dans le prolongement de la colonne vertébrale. On ne lève pas trop. 3. 4. 5. 6. 7. Toujours penser au dos bien droit. 8. 9. Et 10. L'autre jambe. 1. 2. 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On pose. Là, on va reprendre jambes tendues. Là et là, des petits cercles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et 10. Toujours même jambe, on va venir là, ouvrir, lever le genou presque à hauteur du bassin. 2, 3, 4, allez, on s'accroche. 5, on lève bien la jambe. 6, 7, 8, 9 et 10. On fixe en haut, on ne bouge pas là, on s'accroche et des tout petits mouvements. 1, 2, 3, 4, 5, allez encore, 6, 7, 8, 9, 10, des grands. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, on bloque en haut, on va rester là un petit peu, on fixe, levez bien le genou, allez encore, essayez d'aller jusqu'au niveau de votre bassin, on s'accroche, allez encore, 3, 2, 1, on pose, je me tourne là pour que vous puissiez voir, on passe sur l'autre jambe, on va la tendre, et là, des petits cercles, 1, tout petit, on contracte bien le fessier, on contracte la jambe, 4, 5, 6, 7, allez, 8, 9 et 10. Et on va venir ici et on ouvre. 1, ça va brûler. 2, c'est là où il faut s'accrocher. 3, 4, et normalement ça brûle des deux côtés. 5, 6, 7, allez encore. 8, 9, 10, on fixe et là, des tout petits. 1, 2, 3, 4, allez, on serre les dents. 5, 6, 7, c'est maintenant qu'on s'accroche. 8, 9 et 10, là, des grands. 1, allez, 2, on ne dégrade pas le mouvement. 3, on lève bien. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, on relâche. On va repasser de l'autre côté, je me décale juste pour que vous puissiez voir. On pose une main au sol, on va pivoter le buste. Là, on va se mettre sur le genou. Si vraiment c'est trop dur, vous posez l'autre main au sol. Sinon, au bassin et là, des kicks. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On pose, on bascule tout de suite de l'autre côté. Pareil, main au sol, au bassin, sinon devant. Et là, on est bien aligné le pied à hauteur du bassin. 1, 2, 3, allez encore. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On relâche. On va venir se placer ici. On va faire un petit focus. Là, abdos, je vais vous demander là, de rentrer le ventre, rentrer le menton au col au niveau de la poitrine. On va venir ici faire un ciseau en coup de genou. La jambe
tendu à 2-3 cm du sol, bien gainé ici. On ne vient pas faire du vélo, ce n'est pas un pédalier, c'est vraiment là. J'alterne, plié tendu. Allez, pour 10. 1, 2, on vient bien toucher le coup de genou si on peut. 3, 4, 5, on rentre le ventre. 6, 7, on expire bien. 8, 9 et 10. Vous pouvez poser 2-3 secondes. On va refaire le même. On va le faire 3 fois et on va essayer de mettre un peu de cadence. N'oubliez pas. Je rentre le ventre, je rentre là le menton, coup de genou, on essaye de claquer si on peut, coup de genou et la jambe tendue, d'accord? On alterne, on ne fait pas de vélo. C'est parti pour la deuxième, 10 avec un peu d'intensité. Allez, 1, 2, 3, 4, on pivote bien, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, on pose 2-3 secondes. On a presque fini, on a 4 minutes de la fin. Allez, encore, on rentre le ventre, on rentre le menton. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, on pose. Là, on pose les pieds au sol. On va venir mettre les mains sur les genoux. Accrochez-vous, c'est la dernière série. Là, parce que je vois des cœurs, c'est qu'il y en a qui ne travaillent pas. Allez, les mains sur les coudes, sur les genoux. On va rentrer le ventre, on rentre le menton. Et là, tout doucement, on fait glisser vers le haut. 1, 2, fixez un point au niveau du plafond. 3, 4, on expire en montant. 5, on rentre le ventre, on aspire le nombril. 6, 7, 8, 9 et 10. On va tendre les bras vers le haut. Et là, on va juste décoller là légèrement les épaules. Allez, 1, toujours le ventre rentré. 2, 3, la tête fixe. 4, on expire en montant. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On va placer là les pieds, plantes de pied l'une contre elle, les jambes en forme là de diamant, les mains. Ici, entre les jambes, on rentre, on enroule la tête, on rentre le menton. Et là, 1, 2, déroulez bien le haut du corps. 3, 4, 5, on expire en haut. 6, 7, 8, 9 et 10. On relâche, on va basculer là sur le côté. La main qui est au sol, dos au sol, pardon. Bras tendus, et là, on vient placer ici la main au niveau des tempes. On va pointer avec son coude derrière les fesses. Là, ici, 1, 2, expirez bien en montant. 3, on essaye de ne pas appuyer sur le bras pour se lever. 4, 5, on vient vraiment chercher les obliques. 6, 7, 8, 9, 10, on va rester en haut. Là, on fixe, on travaille bien les abdos, là, serrez les abdos. Sentez, contractez encore plus, et là, des tout petits. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On bascule de l'autre côté, on va faire la même chose. On fléchit les jambes. Là, vous n'avez pas besoin de pivoter comme moi. Si vous pouvez vous retourner, vous connaissez le mouvement. Là, la main aux tempes, on vient vraiment piquer derrière les fesses, pas devant. Là, ok, on essaye de ne pas s'appuyer, de ne pas pousser sur l'épaule. Allez, 1, 2, 3, 4, pensez à aspirer le nombril, rentrer le ventre. 5, 6, on expire en haut. 7, 8, 9 et 10, on reste en haut des tout petits. 1, 2, 3, 4, allez, c'est presque fini. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et là, pour finir, on va se placer sur le dos, jambes tendues, on tire les pointes de pied vers le visage. Et là, les mains au niveau de la poitrine, on va venir toucher si on peut. En tout cas, on vise les pointes de pied et on revient. On décolle la tête, on rentre toujours le menton, on rentre le ventre. Et là, 1. 2, même si vous n'avez pas les jambes tendues, ce n'est pas grave. 3, 4, 5, 6, 7,
9 et 10. Et pour finir, on écarte là les jambes et on vient chercher loin sur les côtés pour étirer toute la chaîne. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, vous pouvez relâcher. On va juste la finir de cette manière. Là, on va se replacer ici en planche. Alors, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas pour refaire du gainage. On revient là en planche et tout doucement, on va venir poser son bassin au sol. On garde les bras bien tendus. On pose le bassin, on bascule légèrement. Bassin d'un côté, puis de l'autre. On relâche bien, on lève la tête, on lève le menton et on expire là. On relâche tranquillement. Continuez si vous voulez à faire basculer votre bassin d'un côté puis de l'autre. Vraiment le bassin, pas les épaules. On n'est pas là en train de danser. Là, bassin. Et là, on vient basculer tout. On vient s'asseoir, poser les talons, les fesses sur les talons. On se grandit au niveau des bras. On va grappiller. On respire tranquillement. Relâchez bien. Ok, voilà. Mais bravo à vous, ça fait pile poil 30 minutes, enfin un peu plus. J'espère que ça a été pour vous. Là, hop, je réactive tout ça. Merci à vous. Voilà, la vidéo reste évidemment en ligne sur ma chaîne YouTube si vous voulez la refaire. Hop, bonne soirée à tous.